Éric Laurent est, selon lui, victime d'un traquenard tendu par le Maroc. Le journaliste, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, a rencontré dans cet hôtel parisien, jeudi dernier, un avocat du roi du Maroc. Il lui aurait alors proposé de l'argent pour ne pas publier son livre de révélation sur la famille de Mohamed VI. Votre âme de journaliste et d'enquêteur, ça n'a pas pesé, ça. Ça a pesé, vous êtes dit, sûr. Je suis à la fin de mon parcours, mais... hop, je prends l'argent et j'oublie tout le reste. Mais il y avait la fin de mon parcours, il y avait effectivement le fait que j'étais extrêmement là, pour des raisons personnelles, que j'avais effectivement de gros soucis, et puis j'avais rien à prouver de plus. Même ligne de défense pour Catherine Grassier, l'autre journaliste, mise aussi en examen pour chantage et extorsion de fonds. Elle avoue, selon elle, avoir cédé aux propositions du Maroc. Je me suis laissé tenter. J'ai eu un accès de faiblesse. C'est humain, non ? La crise diplomatique sur la question des migrants. Laurent Fabius juge scandaleuse l'attitude de la Hongrie et des pays d'Europe centrale. L'ambassadeur est convoqué. À Calais, Manuel Valls annonce la construction d'un nouveau camp de 1500 places. Plus aucun train ne part de la gare internationale de Budapest. La police a fait sortir les centaines de migrants qui tentaient de partir pour l'Autriche et pour l'Allemagne. Évacuation dans le calme, mais les autorités hongroises ne savent plus comment gérer ces réfugiés syriens, afghans ou irakiens. Vous allez leur donner à manger, leur donner à boire, leur donner des vêtements pendant combien d'années ? Je sais pas, ça fait 15 ans, monsieur, que je le fais déjà. Oui, mais moi, ça fait... J'étais pas raciste, mais je commence à devenir raciste. Il y a beaucoup de Calaisiens qui commencent à devenir racistes. Parce que tout ça se passe. D'accord, un de vos voisins qui habite au boulevard, il s'est fait agresser l'année passée. Ce week-end, en pleine séance dédicace, le patron des socialistes faisait une confidence qui en dit long sur l'ambiance côté coulisses, une histoire de pompiers et de grenouilles. Ça va bien ? Ouais. Bon. Ah, tout baigne. Je cours avec ma brouette, avec les grenouilles à l'intérieur. Comme vous l'avez peut-être deviné, dit-il, j'ai décidé de me présenter à la présidentielle de 2020. Et en effet, on voit bien Kanye West négocier, par exemple, avec Vladimir Poutine. On voit bien aussi sa femme, Kim Kardashian, ici dans ses œuvres, devenir First Lady et mettre en scène les photos officielles, par exemple. Kanye West, hein, le rappeur américain, il a annoncé qu'il voulait être candidat à la Maison Blanche en 2020. Ouais, vous avez vu cette ça. Info? Vous qui aimez bien le rap. J'ai vu ça. C'est une bonne idée. Est-ce que ça peut être aussi l'avenir de la politique en France? Moi, j'ai une info, je ne peux pas vous la livrer comme ça, mais il paraît que je vais star postule pour 2017. Non, sérieusement. Vous gardez pour vous. Croyez, mais vous seriez faut pas le répéter. Un ticket avec lui, alors, peut-être Moi, je collerais probablement ses affiches.